Dans cette vidéo, je vais vous présenter la pose d'option par un signataire. Avant de commencer, sachez que la pose d'option est nécessaire à la réservation sur le site expertiseimmo.fr. Sachez que votre action sur le site expertiseimmo ne vous dispense pas des actions à faire auprès du promoteur. En tant que signataire, qu'un vendeur vous ait attribué un client par le biais d'une demande de pose d'option reçue par mail ou que vous souhaitez poser une option pour votre compte, vous avez la possibilité de passer par deux chemins. Le premier, en passant par une recherche de programme ou de lots depuis la page d'accueil. De là, vous voyez que sur la liste des lots, il y a un bouton « Poser une option ». Ce bouton est visible à partir du moment où le lot que vous avez sélectionné est disponible. Le deuxième chemin est de cliquer sur le bouton « Poser une option » situé dans le bloc « Activités » sur la page d'accueil. Que vous passiez par la page d'accueil ou la recherche, les actions sont les mêmes. Vous devez obligatoirement choisir un client. Pour ce faire, vous avez la possibilité de faire une recherche sur le nom, la raison sociale ainsi que le numéro GRC de vos clients ainsi que des clients qui vous ont été attribués par un de vos vendeurs. La deuxième possibilité est de créer votre client. Lors de la création d'un client, les champs indispensables à sa création et à la pose d'option sont marqués d'une étoile. Prenons l'exemple avec le client Le Léanec. Lorsque vous cliquez dessus, une fenêtre apparaît avec plusieurs listes déroulantes. Vous devez alors choisir un promoteur, un programme, un numéro de lot, ainsi qu'une date de rendez-vous client. Si le lot que vous souhaitez n'apparaît pas dans la liste déroulante, alors, vous devez vous rapprocher du service client par mail ou par téléphone. Vous devez également savoir que la date de rendez-vous client ne détermine pas la durée de validité de votre option. Une option sur le site Expertiseimmo a la même durée qu'une option posée chez le promoteur. Une fois tous les champs renseignés, vous pouvez cliquer sur « Poser une option ». Un message apparaît disant que le message a été envoyé au promoteur. Dans les faits, un mail a été envoyé au promoteur, mais également au service client. Attention, pour que l'option soit enregistrée, elle doit être faite sur le site Expertiseimmo et celui du promoteur.